Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de septembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous trouverez la guidance, les conseils, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Alors, on va regarder ici l'énergie principale pour vous, lions. Sur le plan général, l'énergie principale, et sur le plan sentimental, on fera un petit tirage sentimental par la suite. En dos de deck, on a les honneurs. Les honneurs, c'est vraiment le fait d'être reconnu, d'être satisfait, d'avoir les récompenses de son travail, d'être reconnu pour ses efforts, pour sa sagesse, pour son dévouement, les choses comme ça. Donc ça, c'est l'énergie passée et présente, hein. Alors ici sur le plan, waouh, moi j'adore parce que je suis lion, donc je suis très contente. Voilà, sur le plan général, nous avons la carte de la réussite. Alors donc là, clairement, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Je vous lis bêtement ce qui est marqué dessus, mais la carte de la réussite, c'est vraiment l'idée d'avoir trimé, d'avoir donné, d'avoir fait des efforts. Et là ici, il y a la réussite et les honneurs, ces deux cartes solaires. Donc c'est vrai que là, voilà, vous avez peut-être vécu des choses compliquées au cours de l'été, fait des efforts, mais là vous avez un retour sur investissement, vous avez une compréhension de la part des autres, du soutien, une réussite qui s'amorce. Il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, amis lions. Alors, ouais, on a l'idée de travailler en équipe, de collaborer, de signer des papiers officiels, de prendre de nouvelles responsabilités, d'aller de l'avant. Ici, on a une super opportunité financière. On a une super opportunité financière, mais il y a quand même l'idée de trancher, de couper avec une situation qui nous tenait à cœur, mais qui nous offre quand même plusieurs possibilités. Donc, on ne quitte pas tout non plus, hein. Enfin, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors là où vous en êtes actuellement, là où vous allez au cours du mois, vos avantages, vos obstacles, vos défis de ce mois, le résultat et les surprises. Ouais, on garde quand même l'as de denier en dos de deck. L'as de denier, une nouvelle opportunité financière. Ici, on a la réussite. Il est possible pour certains qu'on vous propose un nouveau job ou que vous ayez vraiment, si vous êtes à votre compte, un super chiffre d'affaires là. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une réussite sur le plan matériel ou financier, ou simplement de pouvoir concrétiser certaines choses, matérialiser certaines choses, des opportunités sur le plan matériel et concret et financier. Alors là où vous en êtes actuellement, 6 de coupe. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que vous avez tous vu que j'étais un peu absente ces derniers mois, pour ceux qui me suivent, hein, parce qu'il y a eu une grossesse, une naissance. Donc voilà, mon enfant est né au mois de juin, donc je n'ai pas pu mettre des vidéos pour juillet, août, je reviens maintenant. Et donc là, ce 6 de coupe, là où vous en êtes actuellement, ça nous parle d'enfants, d'être en relation avec ses enfants, ou alors d'être en relation avec des gens du passé, ou encore d'être dans une mise au point par rapport à votre enfance, par rapport à certaines choses. Quoi qu'il en soit, on a réussite, donc c'est quand même quelque chose de positif. Il peut, dans certains cas, y avoir une idée de nostalgie avec cette carte, étant donné qu'on nous parle de notre propre enfance ou de nos enfants. On va voir, on va approfondir tout à l'heure en recouvrant. Ici, là où vous allez, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux va nous parler d'association, d'union, de rencontre, si vous êtes célibataire, d'être en harmonie avec votre partenaire si vous êtes en couple, carrément d'être en harmonie avec votre famille, là, les deux ensemble. Mais ça peut aussi, dans certains cas, nous parler de devoir faire des choix. La carte de l'amoureux, sur le tarot traditionnel de Marseille, c'est un homme qui doit choisir un peu entre deux femmes. Donc, il y a l'idée ici, alors pas forcément de choisir au niveau du couple, mais en tout cas de faire des choix au niveau de votre vie, de faire des choix soit par rapport à vos enfants, soit tout simplement par rapport à quelque chose du passé qui revient. Il y a des choix à faire.
On va recouvrir après. Donc, vos avantages ici, nous avons la tempérance, c'est-à-dire l'idée de réussir à trouver un équilibre en permanence, d'harmoniser ses émotions, d'être en paix avec soi-même. Ça, c'est ce qui vous accompagne comme énergie au cours du mois et qui est à votre avantage. Ici, vos défis ou vos obstacles, c'est qu'il y a certaines choses qui vont bloquer au cours de ce mois. Soit parce que vous êtes un petit peu dans le sacrifice par rapport à certaines choses, donc du coup, ça bloque l'énergie. Parce qu'avec le pendu, il y a toujours une notion de sacrifice. Soit simplement parce qu'il y a des événements, des situations qui sont bloquées. Soit parce que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière, parce que le pendu nous demande de transformer notre vision. Soit simplement par des événements extérieurs, des situations extérieures, et ça nous demande de prendre le temps et justement de transformer notre vision pour avoir un peu de patience. On sait très bien que les lions, la patience, c'est pas non plus... hein. Donc, ici, dans le résultat, on a un très grand chamboulement. On a quand même trois arcanes majeures. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer ici au mois de septembre, mais il y a un choix qui va être décisif. Ici, il y a un grand bouleversement, un grand changement. Un grand changement sur le plan familial, un grand changement aussi par rapport à des choix que vous pourriez faire au cours de ce mois. Et on a la justice. On a tempérance et justice, on a vraiment quelque chose de propre, de net, de clair qui est en train de se mettre en place, qui est bon pour nous, qui est bon pour vous. C'est... Ouais, il y a vraiment quelque chose de sympa. On va recouvrir parce que c'est un chouette tirage. C'est un chouette tirage. Ouais, donc la justice dans votre surprise, c'est vraiment une sensation de quelque chose qui est juste, qui vous revient. Si vous passez en justice pour certains d'entre vous, si vous avez justement peut-être une justice, une décision de justice par rapport à des enfants, hein, une garde ou je ne sais pas, hein, vous regardez comment ça vibre dans votre vie. Il peut y avoir un grand bouleversement, mais quelque chose de bien quand même, quelque chose qui va vous transformer, qui va vous amener une belle transformation. Ouais, ici, on crée son nouveau monde, on crée le monde qu'on souhaite. Là où vous en êtes actuellement, il y a vraiment l'idée soit de faire un bilan avec le passé, avec votre enfance, et de boucler une boucle, de clôturer un karma pour aller de l'avant, pour créer le monde que vous voulez. On est quand même là, ici, sur quatre arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, je vous le rappelle, c'est des étapes très importantes, très puissantes dans votre vie. Donc, quand on a des arcanes majeures qui sortent comme ça au cours d'un tirage, c'est qu'on vit quelque chose de profond, de puissant, d'important, qui va être décisif pour la suite. Donc, soit simplement, vous créez un nouveau monde en lien avec des enfants. Pour certains, vous pouvez peut-être même décider d'une grossesse. Pour d'autres, il y a un accouchement, je ne sais pas. Il est possible qu'il y ait simplement une nouvelle relation qui se mette en place avec vos enfants, pour certains d'entre vous. Ou alors, simplement, comme je disais, nouvelle relation par rapport à vous-même et à votre enfance. Alors, là où vous allez, il y a vraiment l'idée de faire un choix et de ne pas rester focalisé que sur une seule option. D'ouvrir votre esprit. Parce que les choix que vous allez devoir faire, vous allez avoir plusieurs opportunités que vous ne verrez pas forcément. Hein, d'où l'idée du pendu qui vous demande d'ouvrir votre esprit et de changer votre regard sur les choses. Là, on va vous dire, ne restez pas focalisé que sur un point. N'allez pas que dans cet objectif qui est peut-être une illusion ou peut-être pas atteignable pour le moment parce qu'il y a d'autres étapes à traverser avant d'arriver au but final. Donc, on vous dit, soyez ouverts. Prenez ce que la vie vous offre. Pour faire les bons choix. Ici, on a tempérance et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui arrive alors souvent par la poste ou souvent par quelqu'un, par quelque chose. Donc, il peut y avoir un cadeau. En tout cas, on a quelque chose d'équilibré. On a l'idée d'aller de l'avant, de suivre sa voie, de suivre son chemin, de savoir qu'on a fait les bons choix. Il y a une idée de mouvement, pour certains peut-être de partir en voyage. Mais moi, avec la carte de la tempérance, je ne verrais pas forcément un voyage. Je verrais plutôt apaiser les émotions et aller de l'avant. Aller de l'avant et concrétiser le futur. Concrétiser le futur. Alors, par contre, vous avez encore des blocages parce que le 8 d'épée va nous parler ici de limitation.
ou en tout cas de limitations qu'on pense avoir, parce que on peut sortir de ces limitations. C'est des limitations du mental. Donc là, votre défi au cours de ce mois de septembre, c'est de vous revaloriser, de sortir de vos peurs, de sortir de vos limitations, de changer votre regard sur le monde ou sur les choses, parce que la vie est en train de vous faire des cadeaux, mais des cadeaux comme il faut, hein. Donc, il va falloir les saisir. Il ne va pas falloir avoir peur de bouleverser certaines choses, parce qu'ici, par surprise, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive sur le plan financier, là. Le 10 de denier, c'est vraiment un accomplissement financier, c'est vraiment quelque chose... voilà, la boîte au trésor, quoi. La boîte au trésor, c'est aussi l'idée... du don, de l'héritage, des cadeaux, ben, vous avez transformé certaines choses et il y a une juste récompense sur le plan matériel ou financier qui est en train de se mettre en place. C'est aussi l'idée de partage, hein, le don, les cadeaux, c'est aussi l'idée de partager les choses justement avec son foyer, avec sa famille, de partager toute cette nouveauté, tout cet amour et toutes ces finances. Et dans les surprises, ouais, on a vraiment ici l'idée de trouver un équilibre parfait avec son foyer, sa famille. Ici, on a le 10 de coupe, le 10 de denier, côte à côte. Il y a vraiment quelque chose de magnifique, d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place et qui va être surprenant, qui va être vraiment magnifique, qui va être joli, dont vous ne vous attendiez pas. Peut-être parce que justement, vous ouvrez votre esprit sur autre chose. Vous allez de l'avant, il y a vraiment de belles nouvelles sur le plan matériel. Il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, on va procéder maintenant au tirage sentimental pour vous, pour ce mois de septembre. Ami Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Et ici, énergie principale sur le plan émotionnel et sentimental. C'est les cartes du retard. Donc le retard va nous dire que vous pouvez être un peu impatient de certaines choses, ouais, beaucoup réfléchir, vouloir aller de l'avant. Peut-être que il y a l'idée du professionnel qui vous touche beaucoup au niveau sentimental, parce que le tirage sentimental peut nous parler du couple, mais ça nous parle aussi des relations, de ce que vous ressentez, de vos émotions. Ouais, on nous parle encore ici des enfants ou de commencement de quelque chose de nouveau, hein. Et puis ben, que ça vous ennuie un peu, que ça prenne du temps en fait, hein, tout simplement. Alors, okay. Donc on continue ici avec en dos de deck, comme je vous disais, la carte du commencement, du nouveau départ ou des enfants, suivant les cas. Donc ici, on nous parle d'une alliance, d'une union, d'une association. On nous parle d'un grand amour. Pour certains, ça peut être carrément une nouvelle rencontre. En énergie principale ici, on a le plan administratif. Ça peut être des signatures, ça peut être une demande en mariage ici, quelque chose d'officiel. On officialise une relation. On redémarre quelque chose de nouveau, ça peut être décider d'acheter quelque chose ensemble, hein, de signer, de conclure un contrat, ça vous amène beaucoup d'émotions. La Lune peut aussi encore une fois nous parler de retard, donc il y a beaucoup d'émotions et des choses qui se mettent en place. Clairement ici on peut être dans une idée de déménagement, d'investir, de s'installer ensemble, d'acheter quelque chose ensemble. Ici on conclut certaines choses avec le passé pour aller de l'avant. Ouais, on a la clé, hein. On a la clé de la maison, on a la clé du foyer, on a la clé des unions. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. C'est un mois extraordinaire, là. C'est un mois extraordinaire. On signe certaines choses. Sur le plan sentimental, on découvre certaines choses, on s'ouvre à l'autre. On est en harmonie, on est en sécurité. On fait tomber les masques. On fait tomber les masques. On est conscient du positif. On est conscient du moins positif. Et on va de l'avant et on concrétise les choses, on fait les bons choix. Ouais, il peut y avoir des signatures, des conclusions. En tout cas ici avec la clé, la maison, clairement pour certains, il y a l'idée de signer quelque chose par rapport à un foyer, signer un bail, une location que vous attendiez depuis longtemps,
on transforme certaines choses. Ici, il y a l'idée de récolter aussi ce qu'on a semé, de trancher, d'aller de l'avant et de récolter les blés qu'on a fait pousser. Ça peut être très bénéfique aussi sur le plan financier, d'autant plus que le valet de carreau ici, ça représente le messager hein, dans les 32 cartes, donc le facteur qui nous apporte de bonnes nouvelles. Il y a des avantages, des inconvénients, des choses qu'on ne savait pas forcément. Quoi qu'il en soit, on vit les choses avec le cœur, on fait les choses avec amour, on est bien, on est heureux, on est positif. C'est un mois merveilleux. Alors, on va conclure ce tirage à Lyon avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie à tous pour votre soutien, votre suivi, vos commentaires. On se retrouvera le mois prochain, hein, c'est reparti pour moi. Donc, on conclut ici avec le cheval. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Moi, ce que j'ai là, c'est un cheval fougueux qui part à l'aventure et qui va de l'avant et que plus rien ne peut arrêter. Plus rien ne peut arrêter parce qu'on s'exprime, on n'a plus peur d'être qui on est, on va de l'avant et surtout, les portes sont ouvertes, les portes s'ouvrent et ça prendra le temps que ça prend. Hein. On est d'accord, on avait le pendu, on avait certaines choses, ça prendra le temps que ça prend, mais au cours du mois, il y a des libérations, des déblocages sur le plan sentimental là. Si vous êtes célibataire, clairement, vous avez une belle rencontre qui va être quelque chose de sérieux, de concret, que vous attendiez depuis longtemps. Si vous êtes en couple, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place dans votre couple. Peut-être, comme je vous disais, un achat, une signature, un déménagement, s'installer ensemble, on concrétise certaines choses. Il peut y avoir une demande en mariage. En tout cas, il y a vraiment le démarrage de quelque chose de nouveau, de beau. Et toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes, donc saisissez tout ça maintenant, c'est le moment ou jamais. Et bien, je vous dis à tout bientôt à Lyon et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.